I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. Bonjour. Ah, je suis heureux de vous faire écouter les First Edition, le premier groupe de Kenny Rogers. Vous avez tous vu Big Lebowski. Une scène mythique en plein milieu du film, un clip. Donc c'est sur une ode au soft drink, alors que on voit bien que le Duke, il n'en boit pas. Et superbe groupe et morceau vraiment psyché. Et Kenny Rogers, donc dans cette formation, donc lead chanteur et surtout bassiste. Voilà l'outil qu'il utilisait sur les First Edition, donc en 68, comme l'album. Fender sort la précision, enfin pas la précision, justement la Telecaster Bass, qui n'est ni plus ni moins que la précision 51. Mais en 68, on ne regardait pas derrière. La P-Bass 51, elle était oubliée. Fender la ressort, mais change de nom. L'appelle Telecaster Bass, puisque c'était une erreur, la Telecaster Bass n'existait pas encore, voilà. Donc, réparation faite, voilà la Telebass Kenny Rogers, donc en 68, sur les premiers plateaux télé qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le tube. Elle est toute neuve, voilà, lui aussi, la barbe bien taillée et la P-Bass nickel. Et quand on suit, on retrouve des lives en 71, 72, 3-4 ans après. Ça y est, elle est comme dans l'état de celle-là, le vernis bouffé, c'est la fragilité des vernis cellulos de l'époque, quoi. Et cette basse, donc celle-là, bon, elle n'est pas à vendre, celle-là c'est la mienne. Actuellement, passé au Guitar Village, il y en a une 69 là qui est à vendre. Et cette basse, moi je l'ai depuis les années 80. À l'époque, bah, c'était une Fender d'occasion, quoi, hein, voilà. Ouais, donc elle est 100% dans son jus, sauf bah, ce qui s'est passé sur toutes les télébasses de cette époque. Donc le Pitguard, qui lui a disparu. C'est une réaction chimique, donc toutes les télébasses, au bout d'une trentaine d'années, ça s'est passé fin des années 90, début des années 2000, la matière plastique commençait à se rétracter vraiment en gondolant, crachant un espèce d'acétone ou on ne sait pas quelle réaction chimique. Il avait beau nettoyer la plaque, une semaine après, elle était gluante, collante. Et puis après, au bout de quelques mois, elle commençait à se craqueler, des morceaux tombent, voilà. Et elles ont toutes disparu, la matière du blub. et le pire, c'est que ça crachait une espèce d'acidité quoi, qui faisait tout rouiller. C'est pour ça que souvent, les micros de télébasse, bah même le carton, là, il est comme attaqué, voilà. Et les premières frettes, ici, tout ce qui était à proximité du Pitguard était attaqué par cette réaction chimique. Et là, bah, comme par hasard, là, dès le début des années 2000, une marque de pièces détachées de Pitguard, c'est WD, voilà, d'un seul coup, on a vu arriver des plaques de Telecaster Bass. Alors que, bon, ça avait quand même très peu vendu des télébasses. Et donc, bon, bah voilà. Et toutes celles que vous rencontrerez, ils n'ont jamais le Pitguard d'origine, quoi. Il s'est délité. Alors, ça, c'est la 68, avec le micro simple. En 72, modifié
avec le gros humbucker Wild Range. Mais, et après, quand même, un contour body. Là, c'est vraiment la planche, hein, comme une vraie télé, quoi. Et ben voilà, quoi, c'est une basse qui a été utilisée par... donc là, je vous ai illustré avec, avec Kenny Rogers, qui, ça lui va comme un gant. Mais sinon, dans le rock'n'roll, hein, plein de bassistes, hein, du bassiste des fabuleux Thunderbird, hein, King Ferguson, qui était gaucher, qui a tenu à l'envers. Et énormément de monde, hein, Jerry McAvoy, avec Gallagher, le bassiste de Status Quo, j'ai oublié son nom. Plein, on la retrouve dans plein de groupes rock, voilà. Moi, c'est une basse que j'adore. C'est marrant, c'est marqué Telecaster dessus, quoi, voilà. Hein. Et voilà, je voulais vous la présenter. Bon, bah, je vous représenterai d'autres disques avec d'autres instruments, comme vous m'avez plébiscité pour le refaire. J'espère que ce coup-ci, vous allez mieux m'entendre et entendre la musique. Salut !